Cette manifestation. Il n'est pas question même de la structure, il s'agit du peuple du Nord Kivu, nation ensemble. Ah d'accord. Dans la communauté du Nord Kivu de Kinshasa, qui a appelé à une marche.
Je tiens à informer que moi je viens de Beni uniquement pour cette marche. Okay. Donc il y a les gens qui sont venus à l'intérieur uniquement pour cette marche. Mm. Pour prêter main forte. Mais au moins, si vous êtes avocat. Aux Kivusiens qui sont ici, n'est-ce pas, pour faire droit, pour manifester. Donc si vous êtes avocat, moi je voudrais juste comprendre logiquement. C'est vrai, c'est une question qui touche le Nord Kivu, mais la RDC dans son ensemble. Mais qui a appelé à cette marche? Il doit y avoir une personne, soit morale, soit physique, qui a appelé à la marche. C'est la communauté du Nord Kivu. Ce n'est pas la communauté du Nord Kivu. C'est quelle communauté? Ce n'est même pas la communauté Nandé. C'est qui a appelé? Il ne faut pas minoriser la question. Oui. C'est le peuple qui s'est réveillé spontanément. Qui s'est réveillé et qui a décidé de marcher. Ils se sont réunis, ils ont réfléchi que nous devons faire quoi, nous devons marcher. Mmh. Et parmi ce peuple-là, ils ont trouvé quelqu'un qui doit écrire pour informer au gouvernement. Voilà, qui a écrit? C'est celui qui a été désigné comme secrétaire. C'est qui c'est? C'est l'ensemble de tout le monde parce qu'ils sont incarnés dans cette personne. La constitution dit que ceux qui veulent marcher doivent écrire. Et tout le monde ne doit pas prendre les stylos. Mmh. Nous avons désigné parmi nous quelqu'un qui a écrit. C'est qui a écrit? C'est celui qui a été désigné. Voilà, vous le connaissez vous? Merci de la question. Association culturelle Nandé. Et finalement, on regarde. Ah, bah, projectile et bandit. Si, bah, si, bah, on bête à biso. Y'a qu'à la filmer, oh, maman. Vous en êtes là, Koloba? Loba, maman. Attends, tu l'ouvres, yo, kakama, le bezer, yo. T'as quoi interprété? Olobinini. En soi. Ok. Mais ça, j'en parle, on y connaît quoi? Monde entier. Quoi, population congolaise, yo. Et que, qui l'a moutou à Fania et Nyanawez à Fania pour que Amani il dise dans la province et à Nord. Dans l'est de la République de la démocratique du Congo. Parce que nous allons faire partie du Congo. Pourquoi la Tuanese Awawa aussi qu'on a Mouchan? Si tu ne vas pas t'en faire, tu dois agir. Non, tu ne vas pas agir. D'ici à Naweza, pareil, tu ne vas pas te faire salama. Il vous dit, tu as une protection à peuple étranger. Si tu es fait, pour que Amani retire le est de la RDC. Non à la balkanisation, non au génocide, non au massacre perpétué par les adversaires. Non à la balkanisation. Merci beaucoup. Non, j'ai arrêté là-bas parce que comme il lançait des projectiles, alors les policiers vont rétorquer. Moi, comme je ne m'étais pas préparé, j'ai un peu des talons. Il faut que je suis là. Bon. Vous pouvez donner votre nom si c'est possible. Jean-Luc Kakou Koutima. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contour et le contexte de la manifestation d'aujourd'hui? Oui, pas plus disons, il y a 5 ans maintenant, il y a eu le massacre qui s'est perpétré au niveau de l'est du pays, principalement à Beni et à Lubero, et une autre partie de la province de Lutuku. Il y a près d'une semaine, il y a eu encore un massacre à grande échelle. Et finalement, nous disons, comment peut-on considérer qu'une MONUSCO qui est appelée au maintien de la paix, et surtout que les pays ont payé pour ça, et chèrement. Mais les massacres qui sont en train d'être perpétrés, c'est à quelques mètres. Le cas illustratif, celui de il y a 4 jours, où on a tué des paisibles populations à la machette, à 30 mètres de la MONUSCO. Il y a une passivité notoire de la MONUSCO. Alors nous disons, la MONUSCO doit dégager, et parce que nous avons confiance à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a également d'autres sources qui renseignent et crédibles
que les enseignants, les massacreurs bénéficient de l'intelligence de la MONUSCO. L'homme disant yes, et donc parti, c'est pour ce projet que nous sommes ici. Nous sommes ici pour ça. Terrible, hein? C'est terrible. Oui, chef. Oui. Libération! Rapidement, maître, parce que je dois avancer là-bas. Oui, maître, vous avez autre chose à ajouter? Non, non, apparemment, ils ont parlé. Parce que je viens de parler à vous, c'est tout ça. Ah, ils ont parlé là-bas? Je voudrais voir. Un instant. Comment être journaliste et ne pas vous connaître? Tous les journalistes qui couvrent au moins l'actualité doivent vous connaître. En tout cas, on est là pour... c'est notre cause. Ceux qui meurent là-bas sont mes frères. Ce sont mes frères. Ils ne sont pas du Nord Kivu. Ils sont mes frères. Oui, parce que nous sommes... Voilà, on vous accompagne. Bonjour, Rachel. Bonjour. Oh, Madame Magé, oui. Comment vous allez? Je suis là. Bonjour. Bonjour. Attendez, je vais faire une interview.